Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Bonne année 2015 à tous et on commence donc cette année par une petite astuce sur PS3. Donc tous ceux qui sont sur Xbox 360, vous savez que vous avez la possibilité de vous connecter en ligne tout en apparaissant hors ligne pour tous ceux qui sont considérés comme vos amis sur la console. Donc personne ne vous voit en ligne quand vous vous connectez. Et bien sur PS3 officiellement ce n'est pas possible. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre donc de pouvoir faire à peu près la même chose. Donc pour commencer, vous allez devoir vous connecter sur votre profil. Ensuite allez donc sur la case de votre profil, appuyez sur triangle et vous placez sur commentaire, donc vous validez. Si vous avez déjà écrit un commentaire, vous l'effacez. Si vous êtes sur le même écran que moi, il va falloir le changer en appuyant sur le carré vert en bas avec les 9 carrés noirs. Vous cliquez une fois dessus pour afficher cet écran-là. Ensuite, si votre première case, c'est un point avec un arrobas, c'est le 1. Il va falloir aussi changer ce mode de saisie. Donc vous allez cliquer sur la clé à molette qui se trouve à côté de mode de saisie. Donc vous cliquez sur la clé à molette. La pression unique va s'afficher, vous allez recliquer une seconde fois sur croix pour valider. La case numéro 1 va changer, y a un petit slash et un égal qui va apparaître en plus. Donc à partir de ce moment là vous allez devoir cliquer une fois sur croix pour mettre un point, appuyer une fois sur triangle pour faire un espace. Ensuite, réappuyez une fois, enfin pas un espace, mais pour passer à la lettre suivante, à l'espace suivant. Et donc vous allez faire comme ça pour mettre 3 points, et au troisième point que vous aurez posé, vous allez cliquer sur Start. Si vous avez bien fait la méthode, le troisième point va se rapprocher du deuxième point. Donc là, vous validez, vous faites OK. Donc à partir de ce moment-là, rien n'a encore changé. Il va falloir vous déconnecter de votre profil pour que vos amis qui vous voyez qui apparaissent en ligne apparaissent bien hors ligne. Donc vous déconnectez votre profil. Ensuite, une fois que vous avez déconnecté votre profil, il suffira simplement de reconnecter votre profil. Donc une fois que vous aurez reconnecté votre profil, vos amis, donc là moi c'est la liste des amis, des demandes d'amis en attente, donc elle apparaît rapidement, mais la liste de mes amis va mettre un certain temps à arriver, ça sera sûrement pareil chez vous, donc il va falloir attendre un petit moment. Donc là la liste de tous mes amis vient de s'afficher. Comme vous pouvez le voir, mes trois amis qui étaient récemment connectés n'apparaissent plus comme connectés. Et eux-mêmes aussi ne me voient plus connecté alors que je suis bel et bien connecté, excusez-moi. Donc si vous souhaitez vous faire des parties tranquilles sans être dérangé si vous êtes énormément demandé, et bien vous pouvez faire cette astuce. Ensuite, si jamais vous voulez revenir à l'état normal, il suffira simplement de retourner dans les commentaires, effacer les 3 points, soit laisser effacer, soit remettre un commentaire normal, et vous allez vous déconnecter du PSN, puis vous reconnecter au PSN pour annuler donc cette astuce. Vous allez pouvoir constater que vous allez pouvoir revoir donc vos amis qui sont bel et bien connectés. Et donc vos amis eux-mêmes vous reverront aussi connectés quand vous irez vous connecter. Tant que vous n'aurez pas touché aux commentaires, si vous laissez bien les 3 points comme je vous l'ai montré, même si vous éteignez votre console et que vous la rallumez, vous resterez comme ça. Donc il faudra bien effacer ces points pour revenir à l'état normal. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !